L'actu bonus sur Fun Radio Marseille. Zoom sur une marque marseillaise de jouets pour enfants, ça s'appelle Coco d'en haut, des jouets dans l'univers du théâtre avec l'objectif de permettre aux enfants de raconter des histoires différemment. Les explications de Laurence Villereau, fondatrice. Ce sont principalement des théâtres d'ombre, des petits théâtres à monter pour raconter des histoires avec des silhouettes d'ombre, mais aussi des théâtres en papier qui sont des petits théâtres aussi en papier, ceux-là, avec des petites silhouettes à découper. Et aujourd'hui, rentrent dans la collection des livres-objets sous forme de Leporello, c'est-à-dire des livres accordéon. Et des ateliers ludiques sont organisés par Coco d'en haut. Les enfants peuvent s'approprier leurs histoires, c'est-à-dire il y a des histoires qui sont dans les mallettes, il y a des histoires déjà toutes prêtes, on va dire, à être racontées. Mais les enfants, avec le système de manipulation, peuvent eux-mêmes faire leurs propres silhouettes et donc rajouter des personnages et raconter leurs propres histoires. C'est un outil de partage, de raconter une histoire aux autres, transgénérationnels, c'est-à-dire que les parents écoutent les histoires, racontent aussi les histoires, les enfants, pareil, racontent, écoutent, les grands-parents d'eux-mêmes, enfin, c'est vraiment un outil de partage. Et toutes les informations, ça se passe sur le site internet cocodenhaut.com. Fun Radio Marseille.